19h et quelques minutes en plus. Avec cette fraîcheur, c'est le temps idéal pour se mettre au sport. Allons-y, le cardio n'attend pas. Voyons ce qui nous sommes tombés. Notre invité de ce dimanche n'est pas seulement artiste musicien, mais aussi un fan de sport. Bon, voilà. Ça, c'est mon coach. Avec Omer, son coach, DJ Jiraben exécute une série d'exercices ce soir. Aujourd'hui, on va d'abord commencer par l'étirement. Et ensuite, l'étirement, on va le mettre sur un atelier, soit sur une machine, pour commencer à faire ce qu'on appelle travailler le cardio d'abord. Il va d'abord faire son cardio. Et ensuite, après le cardio, on va essayer de faire certains exercices spécifiques pour pouvoir accentuer son cardio. Et puis, on va essayer de le positionner sur certaines machines qui vont travailler beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'accent au niveau de la somme d'abdominal. Donc, il va travailler beaucoup plus le ventre. Et après, on va essayer de faire tout simplement un étirement. Allons-y donc aux étirements. À la machine, le cardio comme prochaine étape. Après le cardio, comme il a fait 25 minutes là, on va directement à un autre atelier où on va essayer de travailler les obliques. On va lui permettre de travailler des séries. Donc nous allons faire 4 séries de 20 de chaque côté. Donc il va commencer par là, par ce côté. Allons-y, par la gauche. Allons-y. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Cette étape franchie, passons à l'exercice principal du jour. La sonde abdominale. Ramenez tout simplement les bras en arrière et je vais soutenir ici. Vous venez tout simplement toucher les genoux. On va aller à 15-15. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Quel bien fou lorsqu'on a épuisé une heure bien pleine d'exercices physiques. L'activité sportive est d'une nécessité capitale pour celui qui a dédié sa vie entière au studio et à la scène. D'avoir l'énergie, le cardio qu'il faut pour tenir les scènes. Déjà, je suis en train de préparer une très grosse tournée qui doit durer sur 3 mois, dans laquelle il y aura des prestations live. Il nous faut de l'énergie, parfois la voix sort du ventre. Tout ça, et donc, je reste constamment dans le sport pour pouvoir garder cette énergie, garder la résistance sur la scène. Et voilà, vous savez, parfois on chante, on danse au même moment. Tout ça, il nous faut de l'énergie, il nous faut du cardio. Sinon,
on pourrait lâcher sur scène ou peut-être s'écouler sur scène pour éviter des incidents pareils. Il faut rester toujours en mouvement, il faut être un bon sportif. Ça fait un petit souci, il faut renouveler de temps en temps. 24 heures plus tôt, au volant de son véhicule dans les rues de Douala, l'artiste est en route pour une séance de shooting. C'est la règle pour être update sur le digital. Bien sûr, nous sommes à l'aide du tout numérique. Ah ouais, la communication digitale est vraiment très très importante aujourd'hui. Si tu n'es pas sur le digital, on ne te connaît presque pas. Hein. On ne te connaît presque pas. Il faut aujourd'hui, déjà qu'on n'a plus, de points de distribution. Ce qui fait que tout le monde attend sur le digital, chacun a son téléphone. Ça vient de trouver là-bas. Il faut avoir les éléments qu'il faut pour captiver l'attention de son public, de ses fans et de tous ceux qui aiment ce qu'on fait. En fait. Et pour ça, c'est pas facile, il faut travailler dessus comme ça. Il faut davantage soigner son image si on n'est pas prêt à recevoir les balles de la part des internautes. Bien sûr, nos followers ne sont pas toujours des enfants de cœur, n'est-ce pas Gérard? Ah ouais, on va te donner des balles sur la toile. Oh, ton col était mal dressé, la chemise n'est pas repassée, mon boubou n'est pas bien cousu. Mais avant le studio, un détour chez Monsieur le coiffeur. Pour Didier Gérard, chaque détail compte, en dépit de la pression qu'il faut savoir et pouvoir gérer. Quand on a la pression, on finit par oublier certaines choses. J'ai oublié de passer chez mon coiffeur, mais par coup de chance, dans l'enceinte du studio, il y a un salon de coiffure, j'en profite un peu pour nettoyer. Un peu la barbe, quoi. Être un peu plus propre. Parce que je n'aime pas quand on travaille aussi trop la photo. J'aime le garder au moins 85% nature. Donc voilà. Je pourrais bien le laisser comme ça et qu'on le nettoie avec les logiciels, mais je ne veux pas. Je veux qu'elle soit beaucoup plus naturelle, en fait. Voilà qui est fait. Et c'est parti pour le studio photo. Avec son équipe, notre invité travaille sur le décor. Comme pour un puzzle, chaque pièce doit être posée à l'endroit qu'il faut. Un véritable travail de fourmi entre ces quatre murs pour transformer le décor. Apprécions à juste titre le résultat. Naturellement, les artefacts culturels dominent. C'est la signature de Didier Gérard Ben. Les prises sont faites. Les images scrutées de bien près par Gérard lui-même. Deux décennies que Joseph Kenyé accompagne Didier Gérard Ben dans sa carrière. Il a vu gravir les échelons pour se hisser au top des artistes camerounais. Puisque si je m'en souviens bien, c'était dans les années 2004 où j'étais président de l'association des jeunes, l'amicale des jeunes de la cité belge, qui faisait dans le groupe folklorique, le groupe Benskin. À cette époque, on avait l'habitude d'inviter les grands artistes venus nous animer. À laquelle il y a un de mes adhérents qui me dit, il y a un gars qui chante tellement bien et qui n'est pas encore venu dans notre milieu. J'ai dit, mais celui-là, c'est donc qui? Il dit, on l'appelle Gérard. Et je vous rassure, dès que ce garçon a touché le micro, vraiment que si j'avais du n'importe quoi dans ma poche, ça sortait ce jour. J'étais tellement ému, tellement content. Il nous a fait la joie et tout le quartier est sorti ce jour. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Et c'est en ce moment, on a commencé, on essayait de faire tout. On avait un espace public à laquelle, vraiment c'est un garçon très sympa. Il a cru à ce qu'il avait envie. Il avait besoin. À ce moment, j'ai dit, bon, Gérard, tu es un bon chanteur. Et quand on veut, à un certain niveau,
sortir de l'œuf. Il faut se sacrifier. On ne regarde pas trop ce qui vient, mais on gagnera l'avenir. Sa mission, réconcilier la jeunesse avec la tradition. Et le chanteur le fait si bien qu'il ne laisse personne indifférent autour de lui. Le style de musique qu'il produit aujourd'hui, il transmet beaucoup de messages. Beaucoup de messages qui peuvent animer la culture camerounaise. Il dit beaucoup de choses. Et puis, c'est ça qui fait également sa force. Très attaché à sa culture. Et à un certain moment, lorsque il nous dit, bon, on peut prendre un rythme un peu plus moderne, nous on a eu peur qu'il devait s'égarer. Parce qu'il a voulu moderniser le Benskin. Et puis on lui dit que non, restons. Il dit non, vraiment, vous savez que on a eu beaucoup d'autres gens. Il y a eu beaucoup d'autres associations. Et maintenant, si on essaie de donner un rythme jeune, un rythme qui va prendre le jeune, pourquoi ne pas mélanger, puisque il était chez Valet, il était DJ là-bas avec DJ Valet, il faisait d'ailleurs ça, il connaissait un peu comment mixer avec avec ses rythmes. Il nous a dit, il nous a amené dans ses rythmes et on a compris que waouh. Après toutes ces journées de Dieu là-bas, un moment de répit s'impose. À son domicile, l'artiste profite de sa matinée, mais dans le nettoyage. La plupart du temps, les samedis, les week-ends comme ça, j'ai pas trop de pression parce que je dois me reposer pour mes différentes prestations du soir, parce que c'est souvent les samedis. Et comme ça, quand j'ai pas voyagé, bien sûr, et plus, bon, j'ai tout mon temps. Je m'occupe de la famille, j'essaie de regarder ce qu'il manque, ce qu'il faut compléter. J'essaie de nettoyer un peu, comme vous pouvez le faire parfois, et d'aller aussi faire des courses pour la maison. Donc voilà. Dans son panthéon, d'innombrables lauriers, une reconnaissance de l'immense travail abattu par Wanti Gira Belmondo. Depuis le début de son épopée dans l'univers musical, ça fait beaucoup de bien, ça montre qu'il y a des personnes qui reconnaissent le travail. C'est des preuves de reconnaissance du travail abattu. Du travail abattu, et ça fait toujours du bien de passer parfois regarder un trophée comme celui-ci qui a été pris en Belgique et accompagné de celui-là. Aussi, le Kikriou Maraud qui a été pris au Birmingham Palace à Bruxelles. Donc, j'étais obligé de faire le déplacement jusqu'à Bruxelles pour le prendre, ce prix. Quand on voit, on est content. On sait qu'il y a des gens qui reconnaissent le bon travail, le travail qu'on abat tous les jours, les nuits d'insomnie. Et c'est pas. Au moins, ceci montre que. Il y a des gens qui vous suivent parce qu'il faut voter, il faut l'avis de certaines personnes pour pouvoir obtenir des prix comme ceci. Ça montre qu'on est suivi et puis ça donne la fierté, ça encourage qu'on continue à travailler en fait. Ah, le bien ce qui se porte très bien, le bon ce qui se porte très bien. Au quartier Baganté à Newbel dans l'arrondissement de Douala 2e, nous rencontrons Jean-Michel Kamchoum. Il est depuis quelques années maintenant le président du célèbre groupe Kuchambanda. Cette troupe mythique qui a contribué à populariser le Benskin dans les années 90. Ah, Gira Ben, oui, c'est un frère, c'est un ami. Tout le groupe Kuchambanda t'encourage d'aller de l'avant et de promouvoir notre culture. Déjà, il intègre l'association, notre association qui est le groupe Kuchambanda. Il y a de cela presque 15 ans. On l'encourage à faire mieux dans la culture camerounaise. Il fait déjà beaucoup. C'est bénéfique pour nous, c'est bénéfique pour toute la communauté. En fait, en principe, Bamileke et aussi camerounaise en général. Il reste toujours dans le rythme que nous connaissons, le Nkwa. Parce que le Benskin, le nom primitif en langue Mujumba, c'est le Nkwa. Donc il n'a pas, jusqu'à présent, n'a pas dévié le rythme. Il reste toujours
dans notre rythme qui est Robin Skin. Face à la caméra, un message est lâché pour son cadet. Je rappelle que je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune.